Salut les amis, ici le Tavernier et bienvenue pour un nouveau live sur Ark. On va continuer à se faire bouffer par les dinosaures et je suis une nouvelle fois en compagnie de l'incroyable, du magnifique, du charmant Dédéfé. Bonjour. Merci pour ces éloges. Merci, c'est gentil. Salut à tous. Bon, donc là, je suis en train de lancer Ark. Ce que je ne peux que vous conseiller, c'est de. Si je ne supprime pas, c'est de skip les 5-10 prochaines minutes, le temps que le chargement se fasse. C'est vrai que c'est toujours aussi long dans le jeu. Et en plus, ils ont corrigé, hein. Avant, c'était encore pire, c'est pour te dire. Ah ouais? Encore Ah ouais, pire. c'était ignoble. Ils sont affreux quand même. Ils sont affreux. Ils sont affreux, ils sont affreux. Et on est prêt. Ce soir, ça va être du gros live. On va faire ça toute la nuit. On va faire. Du Ark, on va faire du Payday, et on va faire aussi du GTA parce que j'ai fait l'acquisition de GTA. Et là, ça va être n'importe quoi. On va faire un peu de multi et peut-être de l'histoire. Peut-être que pour Payday, il y aura aussi Zapan qui va nous rejoindre du Deepfake Studio. Et ça sera tout aussi n'importe quoi. Voilà. Je suis équipé, j'ai mon AST, j'ai le téléphone et tout. Vous pouvez me parler sur Twitch, il n'y a aucun problème. Et quoi d'autre? Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, tout. Tout est dit, tout est dit. N'oubliez pas, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, tout ce genre de choses qui fait que ça permet d'agrandir ma chaîne et qu'on soit toujours de plus en plus nombreux à se foutre de la gueule de DDV. C'est parti. Ah oui, je suis là pour ça, hein, de toute façon. Ah, c'est surtout moi qui sors de ma gueule. Ah Le no-skill. Le no-skill ambulant. Voilà comment je m'appelle. Voilà. Un petit coup. Format XXL, comme vous pouvez le voir. Et c'est parti. Dans 10 minutes. Parce que ça télécharge. Ouais, donc on va faire du gros live là ce soir, du gros live bien comme on les aime, bien bourrin, le truc qui va durer 3-4 heures, que vous allez vous faire chier à regarder comme d'habitude. Non mais c'est surtout 3-4 heures à te supporter. À me supporter, si on peut. C'est À me supporter, ça je sais pas comment vous faites hein. En plus, je suis en train de faire un max de bruit, du coup, mes voisins ils vont Non mais ils péter ont un plomb. recassé ta maison, ils ont... Ah non, non. Non mais tu rigoles, ils ont repété ta maison. Encore? Oh putain. En plus, j'ai mis du storage et tout dedans. Ils Faut peuvent. vraiment que t'ailles les trucs en bois hein, pour que ça tienne mieux. Ouais, mais là, je vais pouvoir commencer à en faire un prochain niveau. J'aurai accès aux trucs en bois. Ok, cool. Ouais, parce qu'en fait, si c'est Et en une bois. palissade, il faut vraiment que tu ailles aussi les thatch fondations. Non, les wood fondations. Pour que tu fasses une palissade autour de ta maison, comme ça au pire ils attaquent la palissade et pas ta maison. Ah, c'est chiant, sérieux. Ouais, C'est ben, chiant. c'est le début d'Ark, hein. C'est Le comme ça. farm, le farm, le farm, le farm. Ouais. Va falloir. Ouais, mais ça va être ça l'objectif. Le domptage de dodo et la palissade en bois. Je pense que c'est déjà bien. Je pense que c'est déjà bien. Je me fais attaquer dans le noir, c'est mignon. C'est mignon. Je parie que je suis encore mort en plus. Merde. Non, bah, je peux pas te dire. Il a encore dû péter mon feu. Sur les campfires, à chaque fois que je reviens, ils sont plus, tu vois. Ils arrêtent pas de les péter. Si je te réponds pas, c'est que j'ai mis en push to talk et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. D'accord. Elle est sympa là, l'OST est sympa quand même. Ah, ça donne envie. Ouais. Mais je crois que la meilleure OST que j'ai entendue là récemment, c'est celle de Hotline Miami. Hotline Miami, c'est. Tu as joué en plus, il me semble. Pas joué, j'avais juste acheté pour avoir le ma jaquette dans Payday. Ah J'y ai ouais. pas joué. Bravo. J'ai acheté un jeu juste pour avoir un personnage et une arme.
Money, money, money. Ah ouais, c'est le DLC le plus cher que j'ai acheté. Il y a Zapan qui joue, il est en train de faire un let's play dessus en ce moment. Et putain, je dois dire que l'OST elle est vraiment pas mal là dessus. C'est bien épique comme on l'aime. Je vais manger une petite barre de chocolat, t'as hein. Je régène ma stamina. Ouh, mais nous sommes déjà trois. Bonjour à tous et à toutes qui vous me regardez en train de manger du chocolat. Alors je regarde mon portable, c'est parce qu'il y a le chat dessus, les amis, ne quittez pas. Mais on a bien défoncé ta maison, hein. Et tu me diras si c'est un joueur qui t'a défoncé, parce que j'ai croisé un touriste hier. Ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Putain, l'enculé. Et s'il pète mes caisses, il faut récupérer... Alors je te dis, à partir de depuis aujourd'hui, le serveur il est totalement PVE. Donc normalement ça on pourra plus, ce sera que les créatures qui auront défoncé ta maison. D'accord. Ça a été changé hier parce que l'admin il est passé, il a tout changé aujourd'hui. D'accord, bah tant mieux hein, ça soit. Tant mieux. Et puis après quand on va péter des joueurs, on lui dira hey, ça, tu peux mettre vite fait en PVP. On va tuer des gens. Bah en fait il l'a mis hier et déjà aujourd'hui il y a des gens qui commencent à râler, dont moi. Enfin, j'adorais éclater des maisons en paille à la grenade. Tu vois, ta maison, franchement, je l'aurais déjà éclatée depuis 50 ans, quoi. Juste pour essayer d'appuyer. Bah oui, t'avais peut-être beaucoup de fibres, et les fibres, c'est chiant à ramasser. Ouais, non, j'avais pas beaucoup de fibres, j'avais rien. Ah, dommage. Ouais, tes storages, ils les ont pétés. Ils ont pété mes storages ? Ah, les enculés, j'avais tout mis dedans. J'avais le lance-pierre et tout, tu vois, fait chier. Oh, t'inquiète pas, moi je t'en refais s'il faut vraiment. Ça me saoule. C'est bâtard quand même. Hein. Toi, mais le problème c'est que c'est un super cadeau empoisonné parce que t'as 6 balles et après bah t'en as plus. Et voilà, donc c'est un peu le cadeau empoisonné, c'est pour ça que je te le donne pas. De quoi, le pistolet? Ouais, exact. Ouais, faut ce qu'il faut. Hein. Faut ce qu'il faut. Parce que si t'as que 6 balles, ça. Et puis je peux pas t'en crafter des masses. Non mais je pense vraiment que s'il y a personne qui veut nous rejoindre, s'il y a pas des collègues de la taverne, ben on fera je vous rejoindrai. Hein. Ouais, c'est comme tu veux, parce que c'est cool ici, on aurait pu faire une ville, mais moi je pose un petit bâtiment et puis voilà. Ce qui fait chier, c'est que je me suis donné comme objectif de péter la gueule, hein, comment il s'appelle ce bâtard, Rakaï, mais voilà quoi. J'y arriverai pas si je vous rejoins. Ça fait que j'ai plus que 2 jours pour le tuer alors. Bah oui, non, si tu nous rejoins, tu peux toujours faire des coups en traître. Du genre, oh, je l'ai oublié au milieu de la mer et il s'est noyé. Oh mince, et là, pile à ce moment-là, un mégalodon. Oh mince. Exact, je peux l'abandonner, non. Le bâtard, il me donne des conseils pour tuer son dino. Ah, Srakaï, il commence à me décevoir. J'utilise juste pour la chasse et me défendre. Après, je prends l'autre chose. Les trucs volants, c'est un peu plus rapide. Oh là là. Salut à toi, X-Fleet. Bienvenue sur Live. Je paye ma tournée ce soir. Ah putain. C'est long. Le chargement de l'infini. Le chargement de l'amour. Hop. Aïe, Zapon. Tu dors. Non, je dors pas. Je crois qu'il est rentré. En fait, on va peut-être pas faire beaucoup d'arc ce soir. On va voir. Alors, mon lit. Voilà, respawn at the bed. Voilà, je veux voir la catastrophe.
Ah, c'est un Argentavis. Putain, c'est un con d'oiseau encore. Il a dû venger son pote. Hein. Oh, je suis deg. Ça, c'est les oiseaux, ça, tu vois. Ouah, ma baraque, il n'y a plus rien. Yo. Ma putain de baraque! Pourquoi? Y'a un squelette! Ils ont tout défoncé, ces connards! C'est un piaf qui m'a buté. Ah, ça grouille. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Guerre au piaf, hein? Putain de piaf de merde! Mais elle est chaude cette zone quand même! Pas plus que les autres, normalement. On n'est pas au nord-ouest. C'est le nord-ouest le plus dur. Il me disait ton pote que c'était une zone des plus dures parce que y avait le biome montagne juste à côté. Ah ouais, mais il y a des montagnes partout. C'est pas forcément notre coin qui est plus dur. C'est quoi qu'il y a des pics là-bas? C'est un truc mort si tu veux le manger. Attends, je vais te faire de la viande. C'est un truc que j'ai tué. Oh là là. Oh là là, j'ai plus rien. C'est la ruine. Oh, mais ils vont pas sont durs construire en bois. Hein. Ah ouais non mais tu sais quoi là on va arrêter d'essayer de faire un truc en paille ouais. En paille, on va faire un truc en bois directement et on va pas s'emmerder. Hein. Il me faut quoi pour faire le truc en bois? Il me faut alors je peux faire au prochain niveau les fondations et les walls. Les wooden walls. En plus je m'étais emmerdé sur le dernier live à faire des caisses justement pour pas tout perdre. Oh c'est la misère. Il faudrait que je prenne un niveau du coup aussi. C'est un joueur par contre qui est venu te piller parce que les mobs ils prennent pas le bois et tout ça. Mais c'est bizarre parce que j'avais mis un code sur les caisses. Oui mais la bestiole elle a tout pété. Et puis le gars il est venu ramasser derrière. Ah c'est quand tu pètes les trucs ça revient après En fait, quand tu pètes les coffres, ça drop un petit sac avec tout ce qu'il y avait dans le coffre. Oh, c'est chiant ça, putain. En fait, ça sert à rien quoi, les coffres. Tu sais ce que tu fais là, au pire? Non. Tu pètes. Ah, mais t'as le lit. Ah, mais le cuir, j'en ai, t'inquiète pas. Pète tout. Tu m'as démoli, je pourrais récupérer le matos. Allez, on va tout péter. Adieu. Adieu, mon petit lit. Adieu, ma maison. Ah putain, c'est vrai qu'il y a un cooldown là, à chaque fois. Adieu. Adieu, belle maison. Tu auras été un bel abri pour moi. Mais chier. À part ça, j'ai. Tu sais la fondation qui t'empêchait de construire. Ouais, tu l'as pété. Elle est plus là, hein. Ouais, elle est plus là donc. Oh là là. Je suis dégoûté. Ma maison. Ma maison. Bâtard de Didon. Je vais tous vous défoncer. Je suis deg. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce que t'en penses? Faudrait peut-être que je prenne le niveau. Moi je suis ton esclave donc si tu veux couper du bois, je vais couper du bois. Bah le truc c'est qu'il faudra en fait il faudrait que je prenne des niveaux en fait, c'est surtout ça tu vois. Ouais c'est ça. Après, je dirais, j'aimerais bien rejoindre ta guilde du coup, là, parce que ça me dégoûte un peu, tu vois. Mais je me dis, si je fais ça pour mes autres, s'ils veulent nous rejoindre. Bah, tu nous rejoins. Ouais. Et puis, s'il y a du monde qui veut venir, tu nous quittes. Comme ça, au début. Mais bien sûr que non, ça dérange pas. Et bah, alors, feu, écoute. Hein. Feu, sniff. Faut que je quitte ma guilde du coup. Tribe manager. Tu nous quittes quand tu veux, hein, t'inquiète pas. Ok, ben ça y est. Sniff. Je suis sûr que c'est Rakai qui l'aura dit. D'ailleurs, j'ai gardé ton implant dans son ventre. Comme preuve. Alors, pour rejoindre la guilde, il faut que j'appuie. Tu maintiens sur moi les options vu que t'as la manette. Ah, d'accord, ça y est. Et tu mets accept. Ça y est! Ah.
Alors, on peut parler en guild ou pas? Non, mais en fait, quand t'appuies B, pour parler, c'est en local. D'accord. Vas-y, je te suis. Bah, tu sais quoi, je vais rester avec vous, du coup. Je vais rester comme avec vous. Comme tu veux. Voilà. Pire comme t'as dit, tu la quittes, y'a pas de problème. Ouais. Fais chier quand même. Hein. Putain de Guido. Putain de joueur. Je vais vous lancer des cailloux. Depuis la mise à jour, ils ont augmenté le niveau des monstres. Oh, maintenant il y a des bestioles niveau 54, c'est horrible. Ah, c'est super ça. En plus, on a bien avancé depuis hier. Faudrait peut-être qu'on... Qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme objectif, du coup? On peut les capturer, on peut faire ce que tu veux. Ouais, mais carrément. Passer tes niveaux. Si tu veux, on passe tes niveaux un peu. Comment on fait ça? On peut expert en groupe? Exactement, maintenant que t'es dans la guilde, en fait, si je fais une action, tu vas XP. Ah oui, tu peux monter sur Rakai, vas-y, monte. C'est vrai? Ah, vas-y. Ah, on peut bouffer aussi. Ouais, ça attaque en fait, cette merde. Clic gauche, surtout, ça attaque. Surtout, ne bouge pas. Par contre, tu fais attention, tu vois le petit éclair qui est. C'est sa stamina. S'il en a plus et que tu continues de taper, il va s'endormir à un moment et il va se faire becter par les autres créatures. Faut jamais vider ta stamina. D'accord. Il y a du combat de... On peut s'attaquer entre nous ou pas? Non. Non, non, encore... Ouais, pas. Yam. Du bon DDV. Il est bien gros en plus. Mitapor. Je suis en zip. Super vitesse. C'est énorme. Vroom. 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 Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un mot de combat qui s'était enclenché. Ah oui, parce qu'ils sont en train de dresser là-bas, derrière la palissade. Oh, vas-y, garde Rakai, garde Rakai. Ouais, Rakai, tu seras mon meilleur ami, mesdames. Mignon. D'accord, faut suivre la caméra pour qu'il bouge. Ouais, c'est comme ça. Sans ça, ils doivent capturer, je pense. Ouais, tu vois, oh là, fais gaffe. En fait, ils sont juste là-haut, ils ont construit une tour comme des vicieux. D'accord. Et en fait, ils canardent de flèches narcotiques pour les endormir et les capturer. Donc faut pas trop s'approcher parce que sinon on va casser leur plan. Bah on a qu'à se foutre dans la base, non? Ouais, exact. Alors je t'explique juste un truc, si t'as faim, c'est le frigo du milieu. D'accord. C'est super. Hein. N'empêche, vous avez une belle baraque. Hein. Et tu veux que je t'avoue, elle est tellement petite. On est allé voir hier une autre guilde. C'est énorme. Mais elle est jolie, la mobile. Ah, elle est jolie. Je trouve jolie avec le parterre et tout. C'est sympa. Créneau, on a coupé du bois pour y arriver. Bon, on va te mettre une armoire aussi. Là, on a mis une armoire par personne. D'accord. Ah, c'est une petite place personnelle. C'est cool là. Bon alors il te faut quoi? Des fils pour une armure et des lances et tout ce bordel? Alors ouais, autant que je construise et tout comme ça, ça me permettra de... Ah mais je peux pas construire. Oui, ça, tu peux construire. Ouais mais j'ai pas les points pour... Ah ouais, mais on va aller tout chercher le matos qu'il te faut pour construire. On peut se mettre des marqueurs aussi, ça c'est bien ça. Faut que j'y monte dessus, je suis... Vas-y, je suis un dinosaure et je vais tous vous dévorer. Y a un truc marrant qu'on peut faire, je vais te montrer au pire. Tu le feras, mais si tu le tues, je te le tue. Hein. Mon Chocobo Junior, en fait, tu vas choper sur la plage des porcs, ouais. Et tu les jettes dans l'enclos, et tu vois toutes nos bestioles qui se nourrissent du porc. D'accord. C'est pour les nourrir, c'est assez facile. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans, là?
Moi je visite, hein. Tu visites. C'est ça, vous avez pas mal de dinos, hein. Ah, on en a un chien. Ils sont sympas, avec des lunettes. Les amuse, mais parce qu'ils adorent en fait dresser des dinos, donc. Ça sert à rien, mais. Oh, oh mon dieu. Hé, hey, je suis un scorpion. Tiens, prends ça. Il endort ses cibles en fait, celui-là. Il est juste bien aussi pour capturer. Ah, il est bien pour capturer, ouais. Exact. Il est dégueulasse, n'empêche. Il est trop bon, mais à la fois dégueulasse, tu vois. C'est cool, là, putain. Vous avez une belle baraque, hein. Putain, la tour, comme elle est immense. Je vais aller au-dessus. Chef, faut juste. Ah, ouais, par l'intérieur, tu passes. On vient ici. Bonjour, bonjour, je suis un espion, je ne fais que passer. Salut. Moi, bah, plein d'avenir. Tu es un peu tout nu. Moi, aimer nature. Tu cherches la plage. Moi, vouloir bronzer ce plage-là. Toi, avoir un très joli casque. Tu prends les chaînes. D'accord. Bonjour, batteur d'aigle. Je leur envoie un nom à ces aigles. Oula. Oula, ouais, bah, j'ai jamais monté, je te dis. On est au bout de la carte, là. Hey. Je suis le roi du ça monde. Ça, ça va, mon gars, quoi. Ça va bien. Ouais, tranquille. Hey Yann, viens voir au pied de la tour là ce qu'on a fait avec Joe là, ça va te vendre du rêve là. Ah, il parle des bestioles là-bas. Ah ouais, puis c'est énorme. C'est énorme comme plan ça. Pour voir. Oh, faut que je monte tout en haut. Y'a l'eau pas loin ou pas? Non, on peut pas sauter. Oh, mais faut qu'on trouve des parachutes. Tu sais, tu fais une sorte de plongeoir. Faut faire un plongeoir. Putain, ça a dû vous coûter masse de bois. Mais je m'en suis pas occupé, donc c'est, je l'ai pas vu. Putain, c'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Mais ce qui est génial la nuit, c'est que tu repères vite le bâtiment. Ah ouais, ça qui est bien, parce que ouais, putain, c'est énorme. Ah, avant de te suicider, il faut que tu cliques sur le lit en bas vu que t'as changé. Ah, t'as compris ce que je voulais faire, tu vois. Allez, on descend. Un kilomètre en échelle, ça use. Et y'a Zapan qui mange, et après il va nous rejoindre. Pas de preuve. Bon, du coup, on fera pas beaucoup d'arc du coup ce soir. Ah ouais, pas de soucis. On fera la visite aujourd'hui. Ouais, c'est la visite guidée, c'est bienvenue. Bienvenue sur. Y'a les enclos sous-marins là, tu les vois depuis le toit avec nos requins. Ouais, putain, ils sont vachement chouettes et tout. Ah, tu m'as dit le lit, il était où? Vas-y. Vieux réflexe. Évidemment, je suis trop gros pour passer dans ces trous, c'est horrible. C'est vrai? J'ai l'impression. Merde, j'ai fermé. Ouais, tu peux fermer. Lit, il est juste là. Et c'est le même pour tout le monde. Il y a le cadavre en fait, là. Ouais, c'est le lit pour tout le monde en fait. On aime bien dormir tous ensemble. Ouais, du coup j'ai cliqué dessus et voilà. Voilà. C'est bon. Ah, t'apparaîtras ici maintenant. Super. Oh, il y a un cadavre. Bonjour cadavre. Oui. Non, puis il l'a pas. Je t'ai déconnecté. Quoique tu pourrais, il m'a tué déjà deux dinosaures. Ah le bâtard. Je crois qu'elle a pas de oui, je t'explique un truc. Ouais. Le triceratops, c'est pour ramasser les baies. Ouais. Comme ça, tu te fais pas chier. Tu te fais les baies.
Les petits raptors, bah tu prends le mien, au pire prends Rakai, écoute. On se partage Rakai. Mais ça fait pas XP ça? Ça se pourra aller chasser. Un masque comme ça? Oui, oui, ça fait XP. Vas-y. Mais ça va plus faire XP le dinosaure, faudrait qu'on y aille à la main. D'accord. Bien, on va ramasser des fibres, ils seront tous contents comme ça. On va ramasser ça des fibres. Ça fait plein d'XP. Ouais. Et on passe par là. On prend un caillou ou quoi? Ouais, allez, parce qu'on sait jamais. Et si je le tape? Tu peux monter dessus, ouais. Si ouais, vas-y, donne-lui des claques. Attends, il faut que je me venge là. Attends, ouais, tu t'en souviens que tu m'as bouffé? Hein, mais c'était moi, salaud. On dirait qu'il a du maquillage et tout, dire qu'il a du rouge à lèvres. Je m'appelle Rakai et je suis trop belle. Je monte les dinosaures tout nus. C'est pour sentir leur cuir sur mes fesses. Ah mais tu es des nôtres? Oui. Ah. Welcome. Merci. Et Yann? Ouais. Tiens. Il s'est gavé. Regarde, ouais. Hey, on a chopé 3 tigres là juste devant en bas de la tour là. J'ai vu, mais on a pu s'approcher pour casser, mais vous les combattiez. C'est bon. Ah, ils sont tout mignons là, regarde. Je vais juste voir. Oh, maniaque, ils sont trop beaux. C'est beau, hein. Putain. C'est les mêmes que ceux que... qui ont failli bouffer des dés. Ah, ils sont trop bien, ces bestiaux. Bah, comme quoi, ta tour, elle est déjà rentabilisée, hein. Ouais, voilà. C'est une bonne idée, ce tour. Sur le coup, ouais. Tu m'étonnes. Je vais peut-être aller boire, moi. Je vais fermer de la bidoche, attends, j'arrive. C'est bon, je vais tout expliquer. Il sait où aller choper son maïs. Vas-y. Enfin, je sais pas si tu m'as entendu, vu que t'étais un peu loin. Ouais, t'inquiète. T'es pas obligé de fermer sans arrêt, hein. C'est ce que ouais, voilà, laisser ouvert comme ça. C'est quoi la quota là? Vous avez des fertilisants et tout? Ouais, alors oui, je t'explique. Alors, si tu veux m'aider à ramasser le popo, t'es le bienvenu. Je suis un peu tout seul. Regarde, j'en fais un pour toi. Vas-y, je ramasse. Merde, il est passé où? Mon popo? Ouais, c'est bon. Il alors, en fait, toi, celui-là. Tous les popos, tu viens ici. Salut, Zapan. Ouais. Ouais, je viens ici. C'est dans ces bacs à popo. D'accord. Et grâce à ça, en fait, avec du touch, ça te fait du fertilisant que tu mets dans tes jardins. D'accord. Ah, c'est pas mal. Donc, hésite pas à ramasser. C'est pas mal comme ça. Ouais, bien, on va aller faire de la fibre comme ça, tu peux te faire ton armure. Et donc, tu peux siffler à tes dinosaures pour qu'ils te suivent et tout. Oui, alors U, ça les annule tous. J, ça les prend tous. T, en sélectionnant. D'accord. Ah, super. Super. Attends, je le sors parce qu'il est bloqué. Je ferme la porte. Hein. Ouais, parce que là, sinon, ils vont tous sortir. Puis on ramasse des filles, on va se faire de l'XP. Allez, je te suis. Attends, ouais, Zapan. Prends ton temps pour manger, Zapan et tout, et après on se fera... On se fera un peu de payday. Oh, des narcos. Il y a des endroits pour les entreposer, les narcos ou Ouais, c'est tout écrit. C'est tout écrit. Si tu veux, je te fais une visite guidée. Là, on se prend de l'XP. D'accord. Je te montre tout en rentrant. Tranquille. Hein. Ah, c'est tellement plus sympa quand il y a une base protégée. C'est tellement moins pénible. Au début, on s'est fait envahir sans arrêt aussi. Hein. Ah, ça devait être... c'est pénible, hein. Bah, c'est pour ça qu'il y a tous les dilos, en fait, les petits cons. Ouais. Bah, ces cons d'oiseaux, ils viennent attaquer nos bestioles, et puis, bon... Bah, ils les bouffent, hein. Nourriture, mais... Ah, c'est des défenses en petites tourelles. Exact, c'est ça. Et il y avait la plage était vachement plus près, il y avait vachement plus de végétation, ou en fait, du coup, ça vous a... Vous l'avez détruit? Non, en fait, où il y a notre base, c'était une forêt. D'accord.
Mais vu qu'on a construit, ça repousse plus. D'accord. Ah, c'est bien ça. En tout cas, là, faut, pour la soirée, faut au moins qu'on donne un dodo pour Zapan. Sinon, Zapan, il va friser. Hein, Zapan. Bah, tu sais quoi, on ramasse des baies, là, ça nous fait de la fibre. On pose la fibre et on garde les baies. Et puis, on va dresser un dodo. Ah bah ouais. Il y en a partout. Les dodos, c'est tabou. On en viendra tous à vous. Ah, j'ai froid, je fais... Ah oui, alors je t'explique. Nous, on est pile dans une zone bizarre où le temps n'existe pas. Tu montes un peu, il fait froid. Tu descends un peu, il fait trop chaud. Je t'explique parce que c'est vraiment une ligne qui fait froid-chaud. T'as pas de différence, une petite différence à chaque fois que tu marches. Tu passes de 6 degrés à 36 d'un coup. Donc. D'accord. Attends, avec la fibre, je vais te faire une petite armure. Quoi trouver ? Histoire de dire. Ouais, et puis on ira capturer le dodo, on rentre quand on aura plein de fibres. Suis, hein, racaille, ouais. Ouais, il suit, je surveille. Si tu te fais attaquer, tu cours et racaille, t'es pas. Et racaille bouffe. Et cette fois, il te bouffera pas. Ça va être mon meilleur ami, racaille. Il y a un carnot, fais gaffe. Wouah ! Vas-y, racaille ! Oh putain, je l'ai pas vu venir celui-là. J'ai envie de mettre un punch sur le carnot. Ah bah cool. Hein ? Bâtard ! T'as cru que t'allais me bouffer ? On a des gros morceaux de viande, il faut aller ramener parce que ça périt vite. Je reviens. Des romites, hein. Ouais, exact. Je continue, moi. C'est bien, racaille. Ah, bête. Ça se périme vite et en fait, pour tamer les dinosaures, il n'y a rien de mieux. Ouais, c'est. Ouais, j'ai cru comprendre. Je m'étais un peu renseigné sur ça. Je fais cuire et j'arrive. Moi, il y a Rakai qui me court donc. Vous savez, mais que je vais partir en expédition, je prendrai Rakai, ça te dérange pas? Non, il est à toi, si tu veux, il est à toi. Ou si tu préfères Carnage, c'est comme tu veux. Ah, je veux Rakai. On a une histoire d'amour. Tu veux Rakai? On a une histoire d'amour entre lui et moi, tu vois. C'est... D'accord, alors. Bah, il est à toi. Eh ben c'est cool. Rakai. J'espère juste que je vais pas le faire tuer. Je vais pas trop faire la merde avec. Hein. T'as vu Zapan? Rakai c'est mon ami. Putain, il y a plein de mégalodons là et tout. C'est cool. Là. Je me vide un peu, j'arrive. Et on peut aller dessus sur les mégalodons ou pas? Oui, il y en a un qui a une selle. Ils sont tous domptés là, ceux qui sont... Non, ils sont tous domptés, mais on n'a pas toutes les selles, il y en a qu'un qui en a une pour le moment. D'accord. C'est cool ça d'avoir une bonne team et tout sur un jeu. Ça permet vraiment de profiter du jeu à fond. Quoi. De quoi? De nous avoir rejoint? Ouais, c'est cool. C'est franchement plus cool. Hein. Bah tu tapes pas la phase construction farm pendant des années. Quoi. Ouais. Bon j'ai combien de narcos? J'ai 25 narcos sur moi. Ouais mais je te dis franchement on les ramasse pour le style. D'accord. C'est pour toi. Ah oui, je vais ramasser. C'est bon. Allez, le premier kill il a gagné. Ah ah. Merde, c'est toi qui l'as eu. En plus, on peut lancer avec lance-pierre, je crois ça. Non. Ah bon bah peut-être. Écoute, si, peut-être. Je crois que si. Tu peux. Je crois. J'avais vu sur une vidéo qu'il y avait des mecs qui le faisaient, qui balançaient. Alors c'est fort possible. C'est dingue. Ouais, qu'est-ce que c'est là-bas? Cette fille, qu'est-ce que c'est là-bas? Ah non, c'est un copain ça. Ah, sur le ouais, chat. Ouais. Bah bien, on va te faire une armure et puis on va aller dresser le dodo.
Tu vas voir, tu vas, attends, tu vas voir, tu vas voir. Ah, il est sympa ton désolation, Joe, mais tu sais, c'est pas la taille qui compte. C'est la manière de la mettre. C'est ça. Tavernier, si tu veux, oui. Tu peux prendre. Tu vois, tu regardes, il y a un raptor qui s'appelle Carnage dans le truc. Ouais. Je lui prends le racaille, donc moi je te prendrai Carnage. Oh, comme tu veux. Parce qu'il a une histoire d'amour avec Rakai. On s'est connus plus intimement, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi mais t'hésites pas, tu prends ce que tu veux comme bestiole. Il y a juste les aigles, on est un peu on est un peu comment dire. Mais on va s'en faire un chacun comme ça on sera tranquille quoi. Ouais, ouais, de toute façon que je prenne un peu plus de skill parce que je connais pas assez. Ouais. Tu vas avoir les aigles. Et, je te ferai un tigre à l'occasion aussi parce que là on en a pu choper que 3 en même temps, tu vois, donc. Ouais. Bah, on entendra à l'occasion ensemble si ça te dit. Ouais. Ouais, ouais, avec plaisir. Je m'appelle Rakai. C'est la vie, quoi. Comment ça, tu veux me tromper avec un tigre? Inadmissible. Bon, on va continuer à chasser. Putain, c'est vrai qu'il est dark, hein, Désolation, avec sa selle noire. Il est classe. Il est classe, Désolation. Mais t'as vu l'enclos à requin, ouais, vraiment chouette. Ouais, j'ai vu, c'est trop bien. Vous avez une bonne base, marrant, hein. Ouais, pourtant ouais. Elle est pourrie, hein. Ouais, ça va. Ouais. Comparé à certains, ils ont des bases énormes. Ouais. Mais moi, je suis très content. Si tu construis des trucs et tout, et de faire des extensions, n'hésite pas. Hein. Faut agrandir. D'accord. Un peu, c'est vrai, faut un peu agrandir. Ok. Ça va construire grave. Alors, je vois bien ici un petit sauna. Ouais, là. Franchement. Et ici, si on peut plus loin, un petit sauna. Tu rigoles, moi, il y a déjà la piscine. C'est assez mignon la tout nu sur Rakai là quand même. Hein. Ah bah ouais, c'est pour mieux sentir son cuir. Cuir. Bon, allez, on va chasser, on revient. Cuir. On va chasser du dodo. Attention. Ouais, il faut aller sur la plage là par contre. Ouais. À plus. Ils sont dopés, Jo là. C'est bon, je vais pas regarder. Vernier, viens ici, je t'ai fait une armure. Oh. Voilà, un petit coup avant de partir. Tiens, je te pose dans les narcotiques potions, là, il y a une armure. Dans l'armoire, là, que là... Ah ouais, vous avez tout renommé et tout, c'est bien, ça. Oui, oui, on a tout renommé, donc si tu cherches un truc... C'est bien. Tiens, voilà, je t'ai mis l'armure, là. Merci. Tout est fort et mal, comme à ton habitude. Par contre, je peux pas te faire les lances et les pioches en métal, il y en a, mais le problème c'est qu'il faut que tu les répares. Alors, je t'enfile, et dès qu'elles sont usées, tu me les mets dans là-dedans. Et je te les réparerai. Je peux, de toute façon, je pense que je peux les réparer. Non, tu peux pas les réparer parce que t'as pas la compétence. D'accord. Donc, prends la hache en métal qui est là. Normalement, il n'y a pas de couleur, donc elle n'est pas utilisée à quelqu'un. Mais pire, moi je t'orcraft, hein, c'est pas le problème. Ouais. D'accord. D'accord. Et puis... Ah, c'est chaud. Attends, je vais te filer ma pioche. Elle est où? Là. Mais ça, c'est pas chez moi, ça. Putain, c'est quoi, ça? Power génération? Oui, c'est pour avoir de l'électricité, bientôt. C'est on cool. On sera équipé électrique. C'est t'es cool, passé hein. Où? T'es passé où? Là. Je suis là. Tu vois, dans mon armoire? Ouais. Tiens, attends, je pose la d'accord. Pioche. DDV et tout. Vas-y, d'accord. Prends la pioche et le pistolet. Alors, la pioche... Metal pick. Tu peux prendre la pike si tu veux aussi. Et je crois que je te la répare assez vite. Puis le pistolet. Et le pistolet, d'accord. Ok, je l'ai. Attends, moi je vais te poser une armoire. Je prends la pique aussi Non, tu sais quoi, tu prends pas la pique, tu viens ici. Là, il y a une armoire armure et armes. Alors, attends, que je me repère. Ouais, putain, c'est bien fait. Hein. Tu te prends tout ce que tu veux là-dedans. Faudrait peut-être que je prenne un truc à distance. Une petite hache, une spear x3. Non, une pique plutôt. J'arrive, je vais demander s'il reste une armoire. Ça c'est pour fabriquer. Je sais pas où ils sont passés. Alors on va te crafter ça. Un petit lance-pierre et ça ira bien. Ah oui, les teintures aussi. Oui, parce que.
Alors, teinture et pinceau, c'est ici. D'accord. Ouais, les teintures. Ah, c'est cool. Tu prends les couleurs que tu veux. Et puis, tu les glisses. Et en fait, ouais, si je les glisse sur l'armure, ça change. Exact, t'auras un menu qui s'ouvre, ouais, tu peux D'accord. choisir. Je vais pas le faire de suite pour pas en gaspiller là, sur l'armure. Bah oui, vas-y. Ah, je sais pas. Ah, vas-y. Les teintures, c'est avec des baies qu'on les fait, donc je te garantis que c'est pas ce qui manque. C'est juste de les faire que c'est un peu chiant. Donc. Il faut que moi, je les fais. Pour les mettre, en fait, il faut que je prenne un pinceau. Tu les mets dans ton inventaire. Non, les pinceaux, c'est pour peindre les murs. Les pinceaux, tu t'en fous. Tu prends juste dans ton inventaire les couleurs que tu veux. D'accord. Puis après, tu glisses. Tu verras, t'auras des petits verres qui vont s'afficher. Die item après, d'accord. Je vais être dégueulasse. Ah, c'est quoi, c'est cool ça. C'est pas mal, ils ont quand même pas mal amélioré le jeu. Ouais, il est vraiment bien. Puis il rajoute plein de dinos au fur et à mesure des mises à jour. C'est bien, et l'arbalète aussi, il n'y avait pas l'arbalète avant. C'est cool. Hein. Tu l'as prise la pike en métal ou tu as pris plutôt les autres? J'ai pris. Alors attends. Je finis juste ça. Je te conseille en fait de prendre les autres parce qu'elles vont se casser et tu devras en crafter pour te faire de l'XP. D'accord. C'est alors... pour ça que je te disais, sinon la pike elle est vraiment bien. Si j'ai pris la pike en fait. Ok, n'oublie pas, tu viens ici. Quand tout est pété, tu viens où je suis. Ouais. Pose là-dedans. D'accord. Pour réparer tout ça. D'ailleurs, pose tes objets un peu cassés, je vais les réparer là. Opération réparation. Bah, tous. Ouais, d'accord. D'accord. Hop là. Là, j'ai mis. Je me suis gouré. La cadabra. Il faut que je la mette là, voilà. Peins tes outils. Tu choisis une couleur et puis tu les peins, comme ça on sait que c'est les tiens et puis on les piquera pas. D'accord. La pioche, tu l'as pas prise? Je l'ai mise dans le truc à réparer. Non, c'était la mienne. Ah mais elle est moi la métal pique là, c'est ça? Ouais. Ouais, bah elle était full. Ah, ok, bon, bah voilà, je t'ai tout réparé. Merci. T'as pas pris la pique dans mon inventaire, attends. Pas ça. C'est teinture et pinceau. Faut que je prenne les teintures. Dans teinture et pinceau, je te pose la lance. D'accord. Que j'ai oublié de prendre. Même la pike, je peux... C'est ça que je vais te poser. Tu prends tout. Hein. Si tu vois un truc, tu le prends. Hein. Je fais comme chez moi. Je t'ai posé la pike dans la teinture. Ouais, je sais pas. D'accord. On va trouver une place pour te mettre une arme. Ah mais j'ai pris la pike en métal en fait, c'est pour ça que... Alors... Ouais, Zapan, les baies c'est pour les dodos. Je les garde, on va dropper un dodo. Avant qu'on parte en live tous ensemble sur Payday. On va se faire un petit dodo. Manière... Là. Ah, je vais vider, on y va. Hey, je suis trop fashion, je suis mauve. Ah t'as mis mauve. T'es où? Bah voilà, tu peins aussi tes armes.
Putain, tu m'as cassé mon bonnet, enfoiré. Oh, non. Oups. Vas-y. Je rigole. C'était pour rigoler. C'est pas grave. Mais tu penses... Faut que je la répare, parce qu'elle était à moitié cassée, c'est pour ça. T'as donné le coup. Il l'a pété. Mais j'attends qu'elle soit toute cassée pour la réparer. Passons du dodo. Ah ouais, non, mais... Ah ouais, mais il y a... Attends. Chasser du dodo. Tu prends des narcotiques. Ah, carrément, on prend les narcotiques Ouais. En fait, les narcotiques, c'est des narcoberries. C'est 5 narcoberries, une viande pourrie. D'accord. Et ça fait des narcotiques. Tu les voles. On va les faire après, à plus haut level. T'en prends juste 100, 100, ça suffit. Ouais, 100. Oh, même pas besoin, 10, ça suffit, je suis sûr, pour un dodo. Je vais en prendre 10, alors. Non, prends-en quand même plus, on sait jamais. Prends-en 50, puis comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et les baies, on les pose où c'est où les baies qu'on les pose? On les pose pas. On les pose pas? Non, les baies... Alors, en gros, tu gardes que les steamberries et les narcoberries. Que tu les mets dans le frigo. Les steamberries, c'est les blanches. Ouais. Et les narcoberries, c'est les noires. D'accord. Le reste, on va chercher quand on a besoin. C'est de quel côté qu'on les met, les narcos? Oh, il y a peut-être plus la place, mais t'inquiète, les narcos, on a assez de narcotiques. Au pire, tu les balances pour le moment. T'en feras plein quand tu pourras créer la recette et ça te fera plein d'XP. D'accord. Bah, je suis ready. Non, alors, Zapad, let's go. Je vais pas tuer Dédé. Hier, il voulait... quand il y avait Slug, il voulait que je tue Slug hier. Il disait tue. Alors qu'il y avait Slug avec Carnage à côté. Attends, il est où Rakaï? Rakaï. Ah, oh, il te suit. Viens, Rakaï. Bah, attends, pour aller plus vite, je vais en chercher un. Monte là. Regarde, je vais aller prendre un autre. Rakaï. Par contre, oublie pas de fermer la porte en partant, c'est un peu chiant. Je l'ai mais faut le faire. De quelle porte? La grande porte, là, des villes. Bah, c'est con, ils vont. Dès s'ils voient une créature à côté, ils vont sortir du fort et c'est tout un problème pour les remettre. C'est quoi ça, Ernest, Charrette, Kaota, Mammouth? En fait, c'est qui font d'XP, c'est partagé, c'est ça? Exact! C'est d'accord. Ça! Tu gagnes un bonus d'XP. D'accord. Ah là, tu vas me faire passer un level. Ah non, pas encore. La bestiole. Ah, alors, messieurs, juste pour Carnage, alors t'appuies F. Ah oui, mais putain, t'as la manette. Non, je suis à la souris. Mais... Ah, ok, alors t'appuies F. Et en fait, tu lui augmentes pas les vies à ton truc. Parce que les vies, on a assez, il en a plus de 1000. D'accord. Tu fais les mêlées dommages ou la stamina. D'accord, ça marche. À l'avant. Trouve un dodo. Ah, dodo. Les dodos. C'est là, notre petite piscine. Ouais, j'ai vu, c'est pas mal. Hein. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des piranhas dedans et que quelqu'un aille se baigner. Comme un gomme, c'est... Ouais, c'est trop cool. Ah, mais il y a le crocodile, en fait, dedans. Ah, il prend un bain. Prend un bain, ouais. Je l'aime pas, ce croco, purée. Je suis parti une fois en mer avec lui, on a dû le retrouver de l'autre côté de la carte. Sérieux? C'est horrible. Ouais, plus jamais je vais dans l'eau. Alors, les dodos. Et ça, on peut le tuer, ces grosses bestioles, là? Ou c'est dangereux? Ouais, mais ils sont à deux. S'il était tout seul, on se les fait, hein, bien sûr. On se fait tout ce qu'il y a, là. Hein. On se fait tout? Oh, on peut tout se faire. Mais le but, c'est pas de choper un dodo? Si, mais sur la route. Bah alors, vas-y, attaque les tortues. Saleté bête! Fais juste gaffe à ta stamina, hein, pas qu'elle descende trop. Ah, si ouais. Tu vois que ta stamina, elle est maximum, tu... Attention derrière toi. D'accord, cool. Et du coup ça ramasse la viande automatiquement. Ouais, ce sera dans son bid. Ah, c'est bien ça. Bah tu peux le renommer Rakaï si tu veux. Ah non, moi je garde Rakaï, c'est trop bon. C'est trop bon, Rakaï. Et y'a l'autre tortue là qui veut aider ses frères. Et ça nous fait XP ou pas du coup? Oui.
Ah bah c'est bien. Ah ouais, pas mal. Et toi là, tu fais le bolos là avec tes cornes là? Ah, y'a un dodo juste à côté. Tu es. Oh putain. Ah, ils sont deux en fait. Ah non, c'est bon, t'inquiète. Non, cul. Vous ne faites que retarder l'inévitable. La stamina, attention. Qu'est-ce que ça? Pourquoi les gros ils se rapprochent là? Pourquoi les gros ils se rapprochent? Je crois qu'il y a les gros qui veulent me défoncer en fait. Hein. Ouais, je confirme. Hein. Y'a les... T'es là Dédé? Je suis mort. T'es mort hein? Ouais. Tiens, et attends, je vais essayer de sauver Carnage. Hein. Ouais, sauve-le. C'est... Carnage. Ah, là, t'appuies J, direct. J, pour tous les lignes. Ah, t'es assez loin porté. Non, tu fais J, normalement, ici. Bah, c'est pas grave, écoute. Hein. Non, je vais le sauver. Attends, comment je fais pour descendre? Non, descends pas de ton joint. Enfin oui, descends si tu veux. Normalement, Raka, il va tous les poutrer. Je aussi, j'ai pas trop peur. Allez, viens, Carnage. Viens, pied. Tu t'en fous des bestioles. Putain, il attaque les bestioles. Il attaque les Ouais, vas-y, laisse-le attaquer. Et toi, t'attaques avec. Il est mort, hein, Carnage. Merde. Ouais, alors casse-toi avec ton dino. Putain, fais chier. Il arrêtait pas d'attaquer. Fais chier. Casse-toi. C'est bon, je me casse. Je suis désolé. Hein. Je sais pas pourquoi ils nous ont attaqué. Non, c'est de ma faute. Non, c'est de ma faute. C'est toi? Ah, c'est moi. En tirant sur les triceratops, ben. J'ai touché une patte de l'autre connard. Ah merde, non. Non, c'est. Ça a rien à voir. Et du coup, j'arrive à la base. Ah mais attends, ça charge pas mon téléphone. Ben voilà, je me disais. Bon bah je crois que j'ai perdu mon inventaire. Hein. Tu veux qu'on tente de te le récupérer? Non, c'est bon. À la limite, ils seront plus agressifs si on y va. Ouais, là normalement ils sont plus agressifs. Bah attends, je vais aller voir. Je vais essayer de récupérer ça. Non, j'y suis là-bas, je trouve pas. Mais c'est pas grave, t'inquiète. J'avais pas des gros trucs. C'est juste mon fusil à pompe que j'ai perdu, mais je me referai le prochain, c'est pas le souci. Je pense que je dois être par là, mais vu que j'ai giclé dans l'eau... Tu sais qu'à cause de toi, Carnage, il est mort, hein. Ouais, je vais me faire cracher dessus hein, par les autres, tu vas voir. Tu sais ce que tu devrais faire pour que ça aille mieux? Je vais dire que c'est de ta faute, que tu savais pas jouer, voilà. Non, je vais dire ça, c'est la faute de Tavernier, il a voulu tuer Carnage. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est une offrande, en fait. Je pense que ça, les gens, ils accepteraient mieux. Et tu devrais commencer par moi, peut-être tu me donnes tout ton stuff et voilà, ça ira mieux après, tu vois. Tu te sentiras moins coupable. Il est passé où ton stuff hein? Je crois qu'il doit pas être loin là d'ici, parce que c'est par là que t'étais mort. Hein. Keratin, c'est pas mal ça. Carnage. Hein. Paix à ton âme. Ah non, je suis dégoûté. Non, sérieux. Heureusement, putain, et heureusement qu'il a son brontosaure.
pauvre carnage. Ça fait chier quoi. Il est là? Ouais, il est juste là. Putain, il y a des aigles à con. Je crois qu'il y a un aigle qui s'est attaqué là. Arrête de fuir! Eh, t'en souviens, c'est toi qui m'as bouffé, je suis sûr. Enculé. Et je le touche ou pas là? Et il attaque pas Carnage hein? Racaille, Julien? Si, ça y est. Hop, attends. Une seconde. Oui, allô? Sur le bureau. Ouais, je vais te l'envoyer. Tu veux maintenant? Oui, enfin, si dans 10 minutes, c'est pas grave, mais ça passe, c'est que j'arrive pas à modifier le mien avec mon ordi. Il veut à tout prix que j'achète Word et je vais pas pouvoir. Ah, mais je t'envoie ça dans 10 minutes, hein. 10 minutes, un quart d'heure, ok? Ok. Bisous. Merci. Bisous. Ça va, oui. Pardon, c'est bon. Putain, je me fais défoncer par le bronto, je crois. Ah non, c'est de nouveau un aigle. Eh, viens, viens, on part. Putain, moi aussi j'ai pris. Moi j'ai plus rien, de... ouais, bon, on rentre à la base. Tavernir en live, ouais. Oh, je suis un clochard. Ça fait chier, hein. Ça fait chier pour toi. C'est pas grave. Mur, ça sera craft et tout. Je veux bien te prêter Rakai. Hein. non, garde le Rakai. Attends, je vais juste faire un petit truc en 2-2. Je bouge pas, j'envoie juste un document. Et putain, il est où? Il est là. Là, là, là. 2 secondes, les amis, je reviens. Putain, ça fait chier pour Carnage. Ouais. En plus, il était bon niveau, là. Il était 40 et tout. Ouais. C'est... Ouais, mais je me suis fait défoncer, donc j'ai pas pu lui dire de venir. J'ai essayé, moi, tu sais, il me disait Fallout Tavernier, mais il continue à combattre, en fait. Hein. Ouais. Ah, mais c'est pas de ta faute, hein. J'ai de la merde, t'inquiète. Ouais, mais j'ai essayé, quoi. De toute façon, c'est la faute à Zapan, hein, je veux te dire. C'est la faute à Zapan. Voilà, exact. Il nous a envoyé des ondes négatives et tout. Donc... Bravo, Zapan. Allez. Et c'est envoyé. Voilà. Et on peut relancer, les amis. Voilà. Ce qui fait plus jour. Hein. Non, il fait plus nuit. Merde, j'y vois rien.
Faudrait peut-être que je me fasse une torche. Mais au pire, je fais à l'intérieur, viens de caler dedans. On voit ton fond d'écran et c'est pas du joli joli. Il est très bien mon fond d'écran. Par contre, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est peut-être le dodo là, du coup. Comme ça, après, on pourra partir avec Zapana. Moque-toi, Zapana. Allons trouver du dodo. De quoi? Allons trouver du dodo. Ouais. Ouais, c'est pas gentil de se moquer. J'ai perdu un être cher en plus. Hein. Ouais, il se fout de toi là. Il se fout de toi. Moi, je veux pas dire. Mais... D'ailleurs, sur PD, il y a vengeance, ça. Faudrait peut-être que je boive aussi. Je vais en dresser un raptor. Ah, la selle, attends, il faut que je la pose. T'as une torche sur toi ou pas? Non, mais bah j'ai plus rien. Eh ouais, putain. Alors, DTV storage. En plus, j'ai rien d'utile là. Attends, je vais peut-être fabriquer une torche du coup. Ça me fera un peu XP. Il me faut du flint. Hein. Où est-ce qu'on dans minerai. Là-bas, tout au bout. En fait, ici, c'est tous les trucs de craft. D'accord. Toute cette ligne. Outils divers. D'accord. Écorce, bois, minerai. Donc, le flint. Bon, moi, c'est fini. J'arrête d'attaquer au corps à corps. Comment on fait pour séparer déjà les objets? T'en souviens ou pas? Oui, majuscule ou contrôle. Contrôle, ah, c'est un, majuscule, ça divise en deux. Merci, c'est bon. Une petite torche, ça mange pas de pain. Je vais me faire. Ouais, mais ça n'a pas de... Oh non, c'est rien. Bluff ou rien, lol. Eh bien, racaille. On va leur montrer qui c'est le patron. Ah, c'est bien, tu peux garder la torche allumée pendant que tu bouges. Hein. Poupou. Ah, on peut faire des fakes, les dinosaures. Oui, aussi. Eh hey mec, tu vas m'adresser un raptor là? Ouais, c'est de ma faute hein. Je veux pas balancer, ouais, ouais. Mais c'est la faute à BD. Hein? C'est quoi, je me suis fait défoncer par un brontosaure et bah... C'est pas grave toi, mais c'est mon raptor qui m'intéresse. Non, j'arrête. J'ai repris la selle, mais j'ai perdu tout mon cadavre. Bon, mal. Bon, Yann, je te laisserai en dresser un, le cas. Regarde, il fout de ma gueule en plus. C'est scandale, maintenant. La taille, c'est le mien. Descends. Il fait bien. Après, ce qu'on peut faire, je crois qu'il y a un craft pour faire une sorte de poteau de pendaison. Ça serait le moment de s'en servir. Ça serait bien, hein. Bon, moi, pour Yann, je ferais plutôt un pilori, quoi, tu vois, c'est plus sadique. Ah ouais. Et on lui balance ses carottes qu'il cultive dans la gueule, là, tu vois. On attend qu'elles pourrissent, puis hop. Ou alors un écarteleur, pourquoi pas? Il y a plein de propositions pour faire plein de trucs. Hein. C'est vrai que c'est pas mal, là, franchement. En plus, j'ai une hache dans la main, là, j'ai commencé à avoir des envies meurtrières. Quoi. Attends, je vais retourner là-bas. Putain, carnage, quoi, ça faisait depuis le début que je l'avais, quoi. Putain, Tiens, tu l'as pas volé celle-là. Un jeu, il a planté. Yan, juste redresse-en un dès que t'as l'air, maman. Ah non, ça me fait chier. Mais mec, je monte dans la cage, je défonce ton oiseau, tu vas voir. Attention, hein. Je connais tes points faibles, tu sais, Mutazor. Même si t'as un gros... Une seconde, là. J'arrive. Un gros Néandertalien. Y'a Chocobo, il va y passer, quoi. Ah ouais, bon, cette nuit, là, j'arrive en feu, là, tu vois. D'abord, je vais l'endormir. Ah non, je me suis fait défoncer, si au moins il était mort bêtement, mais même pas. Eh, hey, Chocobo, c'est grenade ce soir. Chocobo, c'est grenade ce soir. Non, j'avais enregistré un PDF.
Attends. Parce que sinon, s'il n'est pas en PDF sur ton bureau, tu ouvres le document et tu l'enregistres sous, s'il te plaît. Attends, une seconde, s'il te plaît. Que je mette pause sur le live, parce qu'on t'entend là. Ah, pardon. Ce qui me gonfle, c'est que je pouvais utiliser Word, mais je ne peux plus l'utiliser, je comprends pas pourquoi, tu vois, ça m'énerve. Mais je l'ai pas ton CV en... Donc comme tu l'as pas, il faut que tu Oui. L'ouvres. Oui. C'est bon, tu l'as ouvert ? Bah attends, ça s'ouvre. Ok. Faut que je refasse et tout, attends. Ouais, je l'ai, je fais enregistrer sous et Ouais, enregistrer sous. Non mais dis-moi les extensions que tu as, s'il te plaît. Ouais mais je sais pas, attends. Comment je fais pour enregistrer sous là-dessus? Tiens, ça m'énerve là. En haut. Attends, attends. Je l'ai. Oui, mais je l'ai là, je l'ai sous les yeux. J'ai Open Document, Word, Plain, Rich, Web, Single File, XPS, Document, PDF. PDF? Oui, s'il te plaît, en PDF. Et tu l'as en Point Doc aussi? Non, je l'ai qu'en PDF. Que PDF, tu peux l'enregistrer qu'en PDF? Oui. Ok, bon, fais-le en PDF, s'il te plaît. C'est bien celui où il y a pas, où il y a, enfin, mon CV, il n'y a pas marqué disponible à partir du 3 petits points et compagnie, hein. Non, c'est celui que tu avais modifié. D'accord, ok. En fait, sur mon ordinateur, j'avais l'ancien, je l'avais pas modifié, j'avais complètement oublié de le mettre, et comme t'es parti et tout, avec l'ordi, j'ai complètement oublié de le prendre. Voilà, c'est envoyé. Oh, je te remercie, mon amour. Tu de rien, de rien. Je t'aime, mon cœur. Désolé, mon cœur, je t'embête plus. De rien. Je t'aime. Bisous. Ouais les amis, désolé, priorité de service à la tavernière. Hein. C'est comme ça, quand on est des mecs et quand on met pas le son, on m'entend pas. Voilà. Ouais les amis, désolé, priorité de service pour la Miss Tavernière. Dédé, t'es toujours là? Ouais, je suis en train de pleurer. En train de pleurer? D'accord. Et mec, y'a aucune compassion. Non, je disais pour mon dino. D'accord. Non. C'est la dure loi de Ark. Oh, attends. Putain, je suis jaloux. Tiens, prends une flèche. Ah, bâtard. Ils ont trouvé ma punition, d'ailleurs. Faudra que j'y aille te dresser un tigre. Faudra que tu ailles me dresser un tigre, du coup. Ouais. Comme ça, on a tous un tigre, on est con. Bon, on ira le faire tous les deux. Sinon, quand je pourrais mettre la selle et tout, au pire. Bah voilà, ouais. Allez. On y va, on va y arriver pour ce dodo. Ouais, oui. Faut juste ramasser un peu des baies, vu que je les ai paumés. T'as les narcotiques toujours, mais il faut le nourrir. Ouais. Je ferme la porte. Ah, mais j'en ai des baies. T'en as un peu. Okay. Ouais, c'est bon, j'en ai assez. On va y arriver, Zapan, hein, à le dresser. On va y arriver. Il y en a un dedans là, ici. Il a perdu, il est. Bienvenue à toi qui rejoins la taverne et le tavernier. Et là, on s'apprête à dresser un petit dodo. Il est par ici, petit dodo. Il est où?
Pourquoi tu fuis? Oh, level 45! Ah, c'est le dodo de compète, ça! Fais gaffe! Non! Non, Zapan! Non! Rakaï! Salvette! Ouais, je rentre à la maison. Tu étais si beau. Adieu. Raw meat, putain! Et que t'as donné ça? Ouais, si raw meat, il m'a filé. Pas cuire direct. On va faire cuire? Ouais, ça faut le faire cuire avant que ça périme. Alors, access inventory. Et il est où le raw meat? Putain, il en a donné 6 ça. Ah, c'était level 45, c'était un gros dodo, tu vois. Kikou. Ah, ouais, non, c'est pas les primes. Oui. Attends, oui, des Steamberry, j'étais venu chercher. Sans j'en ai, t'inquiète, j'ai assez de narco et tout. Je crois qu'il en faut que 2 en fait pour dresser un dodo, il me semble, j'avais vu dans les. D'accord, je peux pas dire. Bon, Rakaï, reste là. Pierre, si on se fait attaquer, on fuira. Ah, mais normalement, on se fait pas trop attaquer. Putain de Branto. Et carrément, toi, tu descends la montagne comme ça. Moi, je me dis, ouais, on va longer et tout, on va y aller tranquille. Oh non, je saute. Pardon, le Branto. On va y arriver hein, à se le faire. On va y arriver les amis. Ah, j'ai plus de stamina. Je suis tout en mauve. Pareil. Un dodo ! Un dodo ! Deux dodo ! Trois dodos! Oh là là, c'est la fête au bout. Tu veux un dodo de quelle couleur? Un rouge? Un blanc? Ah, on a la sélection. Oh, le rouge là-bas! Le rouge! Il est bien dégueulasse comme je l'aime. Je sais comment je vais l'appeler. SMA! Qu'est-ce qu'elle fait la tortue? Casse-toi. Alors, je t'explique. Là, le but, c'est de l'affamer. Et pour l'affamer, les narcoberries et les steamberries, ça le. Donne-lui pas les narcos encore. Hein. Enfin, oui, les narcos, tu peux lui donner. Et en fait, ces baies, elles affament. Les steamberries, elles affament, d'accord. Ouais, tu vois, elles affament. Par contre, le problème, que les steamberries, elles font baisser la torpeur. Du coup, faut vite gérer entre narcoberries, steamberries. D'accord. En bas, quand tu cliques dans l'inventaire, t'as torpeur. Tes petites étoiles. Non, donne-lui pas, là, t'as le temps. Ça remonte beaucoup. Une narcoberry, ça remonte de 5. 7. Et j'ai vu, les armorberries, ça lui fait vachement monter le timing. J'en ai plein sur moi. En fait, non, c'est pas forcément. Ça dépend de l'animal. Parce que chaque animal préfère certaines baies. Regarde, tu vas voir. T'as vu? Non, donne-lui pas. Parce qu'en fait, le but c'est de l'affamer. Faut un peu l'affamer, alors pour un dodo t'as moins besoin. Ah, bah je peux lui donner des narcotiques, carrément. Voilà, ouais, tu lui donnes des narcos. Mais pour le moment, en fait, tes narcotiques ils marcheront que s'il a une torpeur un peu plus basse, tu vois. Si t'es à 39 sur 39, tu lui donnes des narcotiques, ça lui creusera pas le vide. D'accord. Là, tu lui donnes un petit narcotique, ça remonte, il va continuer de manger des steamberries qui vont l'affamer. D'accord. Tu fais ça pour les gros, un dodo t'as pas besoin, ça se dresse tellement vite. Mais je te montre comment dresser les gros directement. Et on peut pas lui mettre les jaunes là du coup pour que ça aille plus vite hein? Non, t'attends qu'il s'affame. Parce qu'en fait, plus il aura faim, plus les belles seront efficaces. Et la faim c'est où? C'est food. C'est food, hein. Ah bah oui. Ah, ça descend gentiment. D'accord, j'ai compris. J'ai compris l'idée. Là, rien que de l'affamer, ça lui donne du. Je vais peut-être boire aussi. T'es prêt à lui donner à bouffer? C'est toi qui l'as la bouffe pour lui. Ah, je vais filer à bouffer, ça va monter. Putain, ça y est.
Un petit dodo. Je sais comment on va l'appeler déjà. Je vais la laisser à bientôt. Carnage. Non, je rigole. You have tamed de dodo. Cool. La toute première bestiole. Créature dossier. Cool. Comment on va l'appeler alors? Zapan. Allez, viens, Zapan. Au pied, Zapan. Allez, on y va, on rentre. Allez, viens, Zapan. T'es une brave bête. Et on peut récupérer ce qu'il y a sur lui, du coup. Ouais, j'ai pris les narcos, j'ai bien repris. J'ai récupéré le reste. Allez, viens. Au pied, Zapan, on rentre à la maison. C'est super joli le beau violet. Ouais, c'est sympa. Regarde, bien placé. C'est encore cassé mon armure pour que je meure contre des créatures, c'est ça. Regarde-le comme il court sa panne. Cours sa panne. Cours pour ta vie. Oh, mais là, la difficulté, ça va être de le ramener. Ah, ouais, il est lent, hein, le truc. On peut pas le porter. Ça serait plus simple. Oui, on peut le porter. C'est vrai? Une créature qui vole, ouais. Ah merde. Attends, je vais chercher. Tu vas chercher un aigle? Ouais. Allez, viens, Zapan. Bah, sinon, on s'en sortira pas. Je m'appelle Zapan et j'avance. Bah oui. Bah oui, t'es mignon, Zapan. Bah oui. T'en fais pas. Ça va bien se passer, on est en train de te chercher un taxi là. Hop, le petit lag. Allez, viens. Ça aurait été fort compliqué de dompter un simple petit dodo. Bon, pendant ce temps, on avance. Hein. Si j'arrive à cliquer sur cette échelle, ça irait mieux, hein. Ouais. Eh bien, ça va. Putain, qu'il est long. Il me dit en quel est sur le chat. Pendant ce temps, moi, je ramasse des fibres, du coup. Ah, ça y est, tu l'as? Ouais. Allez, vas-y, j'arrive. Il est énorme. Je te déteste. Non, mais non, tu me détestes pas. T'es le plus beau des dodos, Zapan. Tu l'as amené où du coup? Tu veux que je pose dans l'enclos? Ouais, bah, pose-le dans l'enclos. Autour de convertir tes PDF. Voilà, Zapan. Tu vas te faire tout plein d'amis ici, tu vas voir. J'ai peur pour sa vie au milieu de tous ces machins. Bah non. Regarde. Viens voir Picfess. Il est sympa, Picfess. Et pour annuler un ordre, c'est U en fait. Ouais, il me semble. Allez, sur un mot de dos. Ah, Zapan, c'était obligé. C'était obligé. Bon, il y a toutes les portes qui sont ouvertes.
Bah écoute, je te propose qu'on fasse... C'est bon, j'ai remboursé ton carnage. On a capturé un dodo. Ça rembourse, quoi. Là, un dodo contre un raptor. Vermine, va. On était tous deux mourir. Vous êtes vraiment des deux merdes, là. Il est où? Il est où, la bête? Vas-y, viens, je vais te montrer, je vais te présenter à Zapan, tu vois, il est juste là. Alors, pour la petite anecdote, Zapan, c'est un autre youtubeur. Dis bonjour, Zapan. Allez, level 6 en plus, du high level, quoi. Ah, mais ils l'ont fait en plus, quoi. Vous voulez pas le mettre dans la maison? Niveau 60. Ah, carrément, on peut le mettre dans la maison. Ah, ouais, hein, il va avoir froid ici. Il va avoir froid. Viens, Zapan. Je siffle les Zapan, quoi. Allez, au pied, Zapan. Le plus fort de tous les dinosaures. Non, moi, ce que je veux faire, c'est une armée de dodo comme dans l'âge de glace. Bah, la vitesse où ça se fait, tu l'as vite fait, hein. On aurait dû en faire 3 d'un coup. Tu seras notre mascotte. Viens, allez, rentre. C'est par là. Hé, hey, bouge tes fesses. Je crois qu'il veut pas rentrer, en fait. Ah, j'ai l'impression, recule encore un peu. Zapan se rebelle. Ah, il a pas envie. Attends, j'ai une idée. Puis à lui, j'ose même pas lui mettre une droite parce que il va mourir. Allez, rentre, Zapan. Non, il va pas rentrer. Bah écoute, on le laisse là, au pire. Et son feu le ramène dans l'enclos. Oh, il court! Il court! Il court! Oh putain! Regarde-le! Il avait plus envie d'aller là, t'as vu? Ouais, il était plus motivé. Non! Oh, il le fait caca. Bon bah écoutez les amis, c'est sur ceci qu'on arrête le live sur Ark, mais rassurez-vous, on va reprendre de suite sur Payday 2 et on sera en compagnie de Zapan, non pas le dodo, mais le vrai Zapan. A tout de suite les amis.